On a abordé beaucoup de thèmes depuis hier. Et c'est vrai qu'en partant de ce qu'on avait dit hier matin, du macro, c'est-à-dire du plus grand au micro, au plus petit, on en arrive toujours à ce bilan. On a parlé ce matin avec les gens de la MOP des objectifs qu'on se fixe. Certains ont même estimé que l'objectif d'être dans le top 5 était trop frileux, pas assez ambitieux, que c'était le top 3 qu'il fallait viser, qu'on manquait peut-être un petit peu de temps en temps de panache quant à notre volonté de régner sur le sport international. D'abord, par galanterie, mais aussi parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu depuis le début des débats, on va laisser la parole à Laurence Lefebvre, la directrice des sports. Beaucoup de questions sont revenues, bien sûr, vers le ministère par rapport au Grand INSEP, par rapport, j'allais dire, Laurence Lefebvre, à la volonté d'établir et d'inscrire dans la durée, de pérenniser le Grand INSEP. Qu'est-ce que le ministère des Sports et la directrice des Sports peut répondre à cette interrogation? Le Grand INSEP, ça existe depuis 2013, c'est effectif maintenant en 2017. C'est quelque chose de pérenne à vos yeux? Vous pouvez prendre un micro. Alors, je pensais que j'allais conclure, mais il n'y a pas de souci. Je vous peux introduire aussi. Et conclure. Voilà, exactement. Donc, moi, je pense que ce qui est important, c'est resituer la démarche Grand INSEP dans un tout, en fait. La démarche Grand INSEP, pour nous, c'est vraiment une base. Ça a vraiment démontré que l'INSEP pouvait être un moteur, pouvait constituer une marque pour pouvoir s'exporter en région, s'exporter aussi à la fois en établissement et puis vraisemblablement hors établissement. On en a parlé avec les directeurs de CREPS la semaine dernière. La démarche Grand INSEP, elle s'inscrit dans un tout qui est marqué là par le dernier mouvement de décentralisation, avec le fait que les régions deviennent propriétaires des CREPS. Donc les régions propriétaires des CREPS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les régions sont face au défi de s'approprier le sport de haut niveau, et donc de s'approprier le concept de Grand INSEP. Alors ce travail-là, d'appropriation et de collaboration avec les régions, je l'ai engagé dès que je suis arrivée, parce que je viens moi-même d'une région et que je mesurais le double intérêt d'y aller. Le premier intérêt, c'est que les régions, elles ne sont pas spontanément dans le sport de haut niveau. Elles sont spontanément dans le sport professionnel, parce que les régions, parce que les élus sont au contact des clubs pro, parce que les clubs pro sont des vitrines, et sont des vitrines d'excellence. L'enjeu, là, à l'heure actuelle, c'est faire que les CREPS, que les régions connaissent peu ou prou, deviennent aussi, tout comme les clubs pro en sport, des références d'excellence. Et pour ça, je pense que le Grand INSEP a vraiment un rôle à jouer qui est très très important. Alors, où en est des travaux? Alors, tout ça, on l'a travaillé avec Jean-Pierre, avec l'ARF, avec Jean-Paul Lemeyer, avec Gérard Rougier. Donc, le Grand INSEP, pour moi, c'est l'aboutissement, c'est la médaille, mais c'est très important. Et c'est l'aboutissement qui va faire que les régions se sont appropriées le haut niveau, en plus du sport pro. Pour y arriver, il fallait collaborer, il fallait entrer dans une démarche constructive et de collaboration avec les régions. Et normalement, c'est la dixième mesure des états généraux du sport de haut niveau. Ça fait à peu près 3-4 mois qu'avec l'État, dans sa double composante, administration centrale et puis directeurs régionaux. Donc les directeurs régionaux, c'est le préfet, c'est concrètement qui est-ce qui parle en région aux présidents de conseils régionaux, ce sont les préfets. Donc il faut que les préfets, avec les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports, puissent devenir les porteurs d'une politique de rayonnement de haut niveau. Donc là, c'est ce qu'on est en train de poser avec les régions. Je vais présenter ça à la commission sport de l'ARF le 28 février, d'ailleurs après le CA du CNDS. Donc l'État doit pouvoir afficher une ambition, faire partager cette ambition et apporter par le Grand INSEP et par son opérateur les possibilités de matérialiser son ambition. Voilà. Donc on a une triangulation qu'on est en train d'opérer avec les fédérations, avec le mouvement sportif,
au cœur de la démarche. Donc je pourrais y revenir après, mais c'est vraiment super important. L'état d'esprit que j'ai eu en abordant le travail avec les collectivités, c'est comment faire en sorte que les différents pouvoirs publics puissent se mettre au service d'un projet sportif qui est par nature le projet fédéral validé par l'État. Les fédérations, on va en parler dans un instant avec Jean-Luc Rouget qui représente le CNOSF, mais d'abord les régions, puisque vous avez été directement interpellé par Laurence Lefebvre, ou en tout cas, oui, interpellé, c'est le bon terme, mais pas du tout dans le sens péjoratif. Vous saisissez la balle au bon ? Nous avons été associés. Associés, très bien, c'est mieux qu'interpellé. Très volontairement. C'est mieux qu'interpellé. Quelque part, on était interpellé par le passé, et comme l'a dit Laurence, on était interpellé surtout par le sport professionnel, on voulait en faire une vitrine. Encore plus dans cette période où on a des territoires nouveaux à faire valoir, Auvergne-Rhône-Alpes, on peut communiquer avec nos grands clubs. Pour le moment, on ne sait pas encore assez communiquer avec le haut niveau. On l'a dit beaucoup, c'est un handicap qu'on a. Peu de nos élus régionaux connaissent réellement les sportifs, sauf au moment où ils rentrent des Jeux avec une médaille. Je trouve que c'est non seulement par galanterie, si on a demandé à Laurence d'être au centre, mais aussi de débuter, parce que finalement, quelque part, ça reste quand même l'État. Et là-dessus, je dois dire que les régions, nous irons très volontiers en association, notamment au travers du Grand INSEP, mais à condition de bien dire que l'État reste le pilote et que d'autre part, et là, elle est entourée d'un cadre d'État et un président de Fédé représentant le CNOSF, il reste néanmoins très important, on l'a dit plusieurs fois pendant ces trois demi-journées, que les plans, les PPF, sont montés par les fédérations. Et le travail que nous sommes en train de faire au titre de la dernière recommandation, dernière conclusion des états généraux du sport de haut niveau, il y a quelques recommandations, je crois 6 ou 7, mais en tout cas la première, c'est bien de dire que les PPF sont montés par les fédérations en lien avec l'État. Ils sont déclinés ensuite, on va dire régionalement, la région étant un peu la tête de pont. Et là, j'en viens à deux points importants qu'il ne faut pas oublier. Les régions ne sont pas là forcément pour ouvrir leurs caisses, leurs trésors, parce que je me tourne vers Claire Rousseau, élue régionale, qui connaît bien nos finances, non seulement en Normandie, mais dans toutes les régions. Ce n'est pas le trésor de guerre des régions qui est important. Ce qui est le plus important, c'est les compétences qu'elles peuvent mobiliser. Elles peuvent mobiliser localement des compétences au service de sportifs. Réellement, on a parlé des CIP avec plusieurs DTN d'entre vous. C'est plus facile de trouver une CIP et un employeur dans nos régions qu'à proximité de l'INSEP. Vous avez dû saturer les réseaux à proximité de l'INSEP. Chez nous, on a encore plein d'endroits et on peut le mobiliser. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est pas acquis, loin de là, mais c'est que les régions peuvent représenter les autres territoires. Représenter les métropoles, c'est pas encore tout à fait, hein. Il va falloir qu'on travaille, hein. Voilà. Il faut qu'on travaille là-dessus, mais quelque part, ça commence à être très admis parce qu'on a les CREPS. Et quelque part, derrière, les métropoles qui ont elles aussi des équipements très performants nous péjorent un petit peu moins de ce côté-là au niveau des régions. Merci Jean-Luc. Jean-Luc Rouget, on est ravis de vous accueillir. Vous représentez d'abord une fédération, mais vous représentez aussi le CNOSF. Donc les fédérations, vous êtes vice-président délégué en charge du haut niveau. On a entendu Laurence Lefebvre, on a entendu Jean-Luc Garde. Dans ce triptyque, vous avez bien évidemment, vous, le CNOSF, un rôle à jouer. Et vous devez, j'imagine, énormément dialoguer avec les représentants du Grand INSEP. Donc, effectivement, dialoguer. Les missions du CNOSF sont avant tout de représenter les fédérations. Donc, c'est à ce titre-là, et parce que le haut niveau n'est pas du tout au CNOSF. Le CNOSF organise les Jeux Olympiques et donc on assure toute l'intendance. Par contre, dans le Collège des Fédérations Olympiques, donc on parle de haut niveau. Dans les fédérations donc délégataires Unisport, on parle aussi de haut niveau, d'un autre côté. On s'assemble quelquefois sur des sujets de haut niveau. Mais le CNOSF, au CNOSF même, il n'y a pas de pratique de haut niveau
particulière. Donc, elle est porteuse, il est porteur, donc le CNOSF, donc de ses politiques et essaie de les défendre d'une manière globale. Donc, par contre, en tant que, puisque je suis également président de la commission de sport de niveau, par ailleurs, donc le ministre, mais je crois que c'est une des premières fois que c'est le mouvement sportif qui a cette mission-là. Je dois dire que je milite depuis très longtemps également pour le Grand INSEP, donc ce n'était pas forcément facile, surtout avec vos prédécesseurs, donc en particulier deux avant. Donc il a fallu se battre contre le directeur des sports qui était assez défavorable au Grand INSEP, je me souviens, M. Jarige en particulier. Et donc nous avons participé largement parce qu'on ne peut pas gagner si on n'est pas en équipe dans le monde du sport. On ne peut gagner que si chacun fait la mission pour laquelle il a des compétences. Et c'est ça ce qu'il faut qu'on organise entre nous. Donc là, avec les régions, donc en particulier, avec bien sûr l'État, l'État donne la direction politique. Donc qu'est-ce que c'est le haut niveau pour la France? Ça, c'est important pour nous. Donc, parce qu'en fonction de ça, on déterminera les objectifs. On a aussi besoin des moyens, mais on sait très bien que les moyens de l'État sont limités. Donc c'est pour ça qu'on doit tous orienter chacun à notre niveau, au niveau des régions aussi, parce que c'est une des missions aussi des régions. Bon, les départements, c'est autre chose. Il y a aussi les mairies, les maires de France, l'association des maires de France aussi, et puis bon, les agglos aujourd'hui, qui ont une importance primordiale. Chacun de vos crêpes est dans une localité et dans une région. Et donc, ce sont nos interlocuteurs privilégiés. Donc, aujourd'hui, nous essayons de mettre, et donc on travaille tous, que ce soit le CNOSF, donc, qui représente les fédérations, l'État, les régions de France, et tous les établissements, donc le réseau des grandes INSEP, nous travaillons fortement de manière à ce que nous puissions être pertinents. Et pertinent, et je défends une chose, donc je m'en ai fait part à Laurence très souvent, c'est, en ce qui concerne, puisque vous êtes du grand INSEP, c'est ne pas être tous les mêmes. Donc on a besoin, le haut niveau, c'est avant tout l'excellence. Et vous ne devez pas être moyen partout, donc vos établissements. Ils doivent être excellents dans des domaines complémentaires. On a parlé ce matin pendant une heure et demie de complémentarité. Bon. Non, mais pour vous dire, Jean-Luc Rouget, on en a besoin. Voilà, exactement. C'est le terme. C'était l'un des mots clés de la matinée, la complémentarité. Voilà. Donc, et ceci, donc c'est bien sûr donc la complémentarité des équipements, mais aussi donc des personnels. Donc, on a besoin d'avoir aussi un réseau d'experts. Et ce réseau d'experts bien identifié, de manière à ce que chaque fois qu'il y a un problème donné dans une fédération, donc par rapport à une discipline donnée, eh bien, on puisse donc savoir où aller, donc de manière à pouvoir avoir les compétences souhaitées. Philippe Bana, depuis hier, on a entendu quelques-uns de vos confrères, directeurs techniques nationaux. Ce matin, on en a eu sur la scène. C'était assez intéressant de les entendre dans la mesure où, finalement, on se rendait compte que par rapport au grand INSEP, ils avaient des attentes, parfois des besoins spécifiques, et que ce grand INSEP mettait à leur disposition, je fais attention, puisque je sais qu'il y a une histoire de coût, donc ce n'est pas une mise à disposition gratuite, des besoins et des services qui répondaient plutôt à des besoins spécifiques. Vous qui êtes à la tête de la SDTN, c'est quelque chose que vous constatez de plus en plus régulièrement ? Moi, je voudrais faire une alerte au grand INSEP et à l'ensemble des acteurs. L'alerte, cette espèce d'explosion de ce Big Bang qui est en train de se passer devant nous, et particulièrement cette année, ce Big Bang politique, ce Big Bang olympique, on l'espère, ce Big Bang des fédérations, ce Big Bang des DTN, on a changé 44 pendant la dernière Olympiade et là on va changer 25. Ce Big Bang des parcours de performance fédéraux qu'on va faire comme on peut, chemin faisant, tout au long des élections de l'année, des PPF qui vont engager 2024 de manière extrêmement lourde, ce Big Bang de réformes territoriales additionnelles que tout le monde se ramasse dans la figure depuis plus d'un an. Et cette espèce de bombe nucléaire, on doit là-dedans trouver cette espèce de parcours dans la complexité dont parlait tout à l'heure Claude Fauquet. C'est une mission impossible sur laquelle il va nous falloir inventer de la modernité, de l'intelligence, de l'excellence, du service, de la valeur ajoutée. Si demain le grand INSEP se contente que de faire des notes de service et des labels, il est cuit. S'il n'y a pas une véritable innovation, modernisation, adéquation de service. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens changent. Le professionnalisme a grignoté ce bleu, blanc, rouge du haut niveau. L'athlète a changé. Mes athlètes, avant de démarrer le championnat du monde, Sylvain Noué, qui est dans la salle, qui a conduit le projet qui a fait gagner les Jeux Olympiques de 2008, a fabriqué, lui, le jeu. Cette année, ils m'ont demandé des logiciels pour décoder eux-mêmes le jeu, les athlètes. Qu'est-ce que ça veut dire dans le grand INSEP si les athlètes s'emparent de la performance et en deviennent des cadres?
Ça veut dire que les logiques auxquelles nous allons être confrontés dans les temps qui viennent, en plus des explosions dont j'ai parlé tout à l'heure, elles sont radicales. Elles doivent nous changer notre paradigme. Elles ne doivent pas nous faire penser que Laurence va faire des notes de service et que tout va bien se passer. On va être dans une ère de collaboration. Elle a utilisé le mot à dessein tout à l'heure. On est dans le management collaboratif, le réseau collaboratif en réseau. Tout seul, on n'existe plus. Demain, nous devons, nous, les directeurs nationaux, devenir les rois des conventionneurs. Le chef d'établissement, tiraillé comme nous, et on fait le même métier pour de bon entre la collectivité, l'athlète, la fédération, qui va rester 4 ans, 8 ans, qui va construire un gymnase, pas de gymnase. Ce travail de management collaboratif, de conventionneur en réseau, est un nouveau monde qui nous attend. N'attendons pas, nous, acteurs du Grand INSEP, une note de service qui va nous sauver la mise ou une position locale qui va nous sauver. Parce que les acteurs locaux vont nous diluer, sinon, à l'intérieur de leur propre réseau. Et le plus grand danger qui nous attend, c'est la dilution de cette structure, de ce magnifique réseau potentiel, de cette belle toile d'araignée, dans le magma local ou l'absence de pilotage parce qu'on a perdu le contrôle des finances d'en haut. Donc, nous devons retrouver une place. On doit retomber sur nos pieds, on doit inventer un nouveau monde, y compris avec nos propres athlètes en train de changer, y compris avec nos ligues en train de changer. Devons-nous avoir des clients du sport professionnel ou nous contenter des acteurs d'État? Quel choix faire demain? Est-ce qu'on est capable? Je vais vous donner 2-3 exemples pour comprendre comment ça va jusqu'à l'athlète. Le petit Remy, le gaucher qui a mis plein de buts là, pendant 15 jours pour être champion du monde, il sort d'une expérience ici à l'INSEP qui était au lieu de faire passer le gamin dans le service médical d'un mec à un autre, on a mis le gamin au milieu, on a mis tous les praticiens en staff, en réseau avec des praticiens externes. Ça, c'est une démarche complètement différente en termes d'appropriation de la performance. Ça matérialise l'athlète au centre d'un réseau de collaboration. On pourrait faire une étude de Grand INSEP avec des établissements en réseau pour analyser des performances difficiles, des blessures complexes que n'arrive pas à analyser une fédération toute seule. Je vous fais une autre alerte pour le Grand INSEP. Les fédérations changent. Les fédérations sont des PME, des turbos qui avancent, qui tracent la route. Il ne l'a pas dit, Jean-Luc, mais il dirige une fédération extraordinaire qui est capable de se débrouiller toute seule, peut-être à certains moments. Si demain, nous ne mettons pas la barrière à cet endroit-là, elles vont générer elles-mêmes les services dont on a parlé pendant 48 heures. Elles génèrent des centres concurrentiels, j'utilise le mot fort, à dessein, pour qu'on se challenge mutuellement, concurrentiel de ce que peut être le réseau Grand INSEP aujourd'hui si nous ne fabriquons pas de la valeur ajoutée. Donc, dans ce monde changeant, il va nous falloir nous tirer tous vers le haut parce que la performance, elle n'est plus la même qu'hier. Philippe Gray pourrait vous le raconter 1000 fois, mais les athlètes sont devenus propriétaires de leur propre perf et acteurs de leur propre perf. Donc, il y a là des challenges qu'il faut bien qu'on relève parce que le Grand INSEP, on va avoir une belle marque. Derrière, le taf qui nous attend est titanesque. Merci Philippe pour ces exemples concrets. Jean-Pierre de Vincenzi, une image et une question. Une image. J'appartiens à une génération qui, pour se détendre après les cours, allait jouer au flipper. Et de temps en temps, j'ai l'impression, là, depuis 2 jours, que de temps en temps, le Grand INSEP est pris un peu comme une boule de flipper entre différents bumpers, celui des fédérations, celui des régions, celui représenté par l'État. Et parfois, ça fait un peu mal à la tête, comme ça, d'être brinque-ballé de droite à gauche. Est-ce que cette image vous convient ou est-ce qu'elle est caricaturale? Et puis, une question, elle nous a été posée par les réseaux. Quelle vision partagée pour le Grand INSEP? Pas facile, mais voilà, c'est l'heure de répondre maintenant. Le fait d'être brinque-ballé, Claude Fauquet vous a donné la réponse tout à l'heure. Hein. La haute performance, c'est un phénomène complexe. Et le Grand INSEP, c'est la boule de flipper, effectivement. Bon, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'elle tombe dans le trou en bas. Quoi. Pour la vision, moi il y a plusieurs choses que j'aurais à dire avant d'arriver à la vision. C'est que beaucoup de choses ont été dites pendant 2 jours. J'ai juste raté une table ronde pour raison professionnelle, je vais le dire comme cela. Mais en fait, beaucoup de choses ont été dites. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a l'impression de remalaxer toujours les mêmes histoires. Pour autant, il y a quand même des choses fondamentales qui sont revenues sur la table. Si je reprends ce qu'a dit Franck Bigné, c'était maîtriser les basiques, aller vers des postures facilitatrices.
Voilà, pour moi, ça me semble effectivement important. Ce qu'a dit Jean-Luc Sadi quand il parle de compétitivité, d'intelligence sociale au niveau des outils, au niveau de l'innovation, il parle de partage. Le partage, c'est un terme qui revient beaucoup aussi dans le haut niveau. Le partage pour pouvoir avancer et évoluer ensemble. Mais ça nécessite effectivement quand même des postures fondamentales, c'est-à-dire le respect d'autrui, mais surtout l'écoute. Et savoir construire des attitudes d'écoute et accepter aussi parfois que les choses soient diamétralement opposées de ce qu'on peut penser. Et puis on en est arrivé à Claude. Alors je vais laisser l'épistémologie de la haute performance qu'a évoqué Claude, parce que ça, on n'y est pas encore, forcément. Mais par contre, au-delà de la complexité, il a dit une chose qui m'a beaucoup plu, et je pense que c'est vers ça que doit aller le Grand INSEP, si on doit bâtir une vision pour demain. C'est ce qu'a dit Robert Damien, c'est aller au bout. On a commencé. Mais maintenant, il faut qu'on continue d'avancer, parce que de toute façon, on a tracé une voie, bonne ou pas bonne, mais on a tracé une voie, et celle-là, il faut qu'on la prenne. Alors, je crois qu'à l'introduction, je vous avais parlé d'un grand établissement national qui s'appellerait le Grand INSEP. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas comment, mais en tout cas, le réseau en lui-même constitue le grand établissement national. Et quand on parle de Grand INSEP, c'est justement y agglomérer, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais de façon à y retrouver en son sein tant des établissements publics que des établissements semi-publics fédéraux, que des établissements privés. Peut-être aller vers une évolution des labels, qui soient des labels. Aujourd'hui, on a un label qui est plutôt qualitatif, général, et qui touche qu'aux infrastructures. Aller vers un label, vers des labels, peut-être à plusieurs étages, parce que certains centres sur ce label qualitatif sont des centres mono-activité, mais par contre sont très performants dans le service qu'ils rendent. Donc peut-être aller vers des labels évolutifs et différenciés. C'est l'une des questions que j'entends beaucoup. La labellisation était un passage nécessaire, mais après, ouais. Quels objectifs ? Voilà. Aller vers des... Vers également, alors ça c'était la question qu'avait posé Jean-Luc Rouget quand on se réunissait au niveau de la commission des labels, puisque Jean-Luc en fait partie, c'était aller vers un label qualitatif aussi. Mais ça c'est le plus difficile, parce que arriver à bien différencier ce qui se fait de bien, ce qui se fait de mal, où est la compétence et où est l'homme. Voilà, ça c'est, oui, ça c'est, mais c'est de toute façon une évolution qu'on aura à connaître, mais également aller vers des économies d'échelle. Un grand INSEP, un grand établissement doit permettre d'éviter les concurrences inutiles, ne pas construire les mêmes infrastructures partout alors qu'elles seront sous-utilisées. Si certains centres doivent se spécialiser à travers un schéma national, peut-être, dans certains domaines, eh bien, que dans d'autres domaines, d'autres centres investissent de manière complémentaire. Bref, que ça ait du sens. On pourrait aller même jusqu'à quelque chose qui a été évoqué hier soir avec Sylvain Nouet. On parlait d'achats groupés pour beaucoup de choses qui relèvent de la spécificité des établissements sportifs. Donc, ces choses-là, il ne faut pas les oublier, il faut aller de l'avant. Mais en même temps, en faisant tout cela, il ne faut pas oublier qu'il faudra éviter de construire une grosse machine comme toujours en pareil cas. Une usine à gaz, vous voulez dire. Une usine à gaz, complexe, difficile, parce que ce qu'il faut dans le haut niveau, c'est de la souplesse, de la réactivité. Mais avant même la réactivité, c'est être en capacité d'anticipation et de répondre immédiatement aux besoins des fédérations. Et c'est pour ça d'ailleurs que au niveau des labels, bon, les fédérations sont censées participer, puisque dans le comité label, les fédérations sont représentées, mais je pense qu'à l'avenir, dans les équipes projets, qui devront continuer à aller de l'avant, parce que ça, c'est du concret, les équipes projets, sur les thèmes qu'on a déjà édictés, qu'on a évoqués et qui ont été exposés, il faut absolument que les fédérations soient beaucoup plus partie prenante auprès des chefs d'établissement et donc des régions également, puisque chefs d'établissement quand même travaillent dans les régions et pour les régions, que tout ceci fasse beaucoup plus corps à l'avenir. Donc, je me rabats. En fait, je ne savais pas trop comment j'allais vous faire cette petite conclusion, mais en fait, c'est Claude Fauquet. Je me disais, est-ce qu'on va pouvoir gratter quelque chose de ce que va nous raconter Claude ? Parce que, bon, voilà, bon, il nous a fait beaucoup de bibliographies. Sauf que, oui, effectivement, aller au bout. Je crois qu'aller au bout, c'est... On est sur la voie, il faut qu'on continue à approfondir, et tranquillement, de manière très concrète, on passe à les étapes. Laurence Lefebvre, depuis hier, 13h, beaucoup de gens montent sur la scène ou nous apostrophent en nous disant... C'est bien, il y a beaucoup d'initiatives. Notre crainte, c'est que souvent, ça change de nom, ça change de personne, ça change de structure. On en revient un peu aux usines à gaz et on abandonne les projets avant leur terme. On est passé des PES au PPF. Alors, soyons très concrets. C'est quelqu'un de pudique, donc nous, on peut en parler à sa place. Dans quelques semaines, Jean-Pierre de Vincenzi va quitter l'INSEP. Il va être remplacé. On parlait de pérennisation concernant le grand INSEP. Rien ne change à l'avenir.
Vous pouvez nous répondre là-dessus, malgré les changements humains. Alors moi, je crois que les humains, ils sont là pour passer, en fait. Ça, c'est clair, ils passent dans une histoire. Et l'histoire du Grand INSEP, c'était ça, c'était que la labellisation était un passage nécessaire. Ce que je pense, c'est que pour faire vivre une labellisation, la labellisation Grand INSEP a gagné pour moi, aujourd'hui, c'est qu'elle fait envie. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, on a des régions, on a des collectivités qui nous appellent, ça moi je le vois, et qui disent qu'est-ce que ça rapporte, c'est intéressant, etc. C'est super important d'avoir inscrit la marque dans le paysage. Après, ce que je pense, c'est que la marque, pour gagner, il faut qu'elle se légitime. Comment est-ce qu'une labellisation se légitime? Par le retour client. Et donc le retour client, je pense que c'est l'étape d'après du Grand INSEP. Il va falloir... la lucidité d'aller questionner les fédérations, et on est au service du service, hein, d'aller questionner les fédérations, d'aller questionner les athlètes pour évoluer, pour élargir peut-être aussi le panier de services comme Jean-Pierre l'a dit. Donc bien sûr le Grand INSEP perdure, bien sûr le Grand INSEP est un élément du puzzle que j'ai exposé tout à l'heure, mais pas en l'état, en encore mieux, en remerciant tous les acteurs de l'histoire d'être passé là pour avoir posé ses pierres. Qui veut répondre? Merci Laurence Lefebvre. Qui veut répondre à la première des questions qui apparaît sur l'écran avant une intervention de l'extérieur? Le Grand INSEP, un outil de collaboration à lier? C'est une question au PPF. Philippe Bana? J'essaye, oui. Ouais. Le PPF, la pratique de la performance et la construction de la performance se fait à l'intérieur de la fédération sportive. C'est elle qui va, dans l'année qui vient, fabriquer les athlètes de 2024. Aujourd'hui, dans les sports en maturité tardive comme le mien, on est capable de commencer à donner quelques noms. Dans d'autres, on va faire rentrer dans ces structures, à partir de septembre 2017, l'ensemble des gens qui vont y être. Donc, ce qu'on peut exhorter à faire pour le Grand INSEP, c'est de s'adapter à ces 40-50 PPF qui vont être construits. Et la souffrance qu'il va falloir s'abreuver, c'est l'idée que ces PPF sont distincts, différents, atypiques, singuliers, qu'ils n'ont pas les mêmes structures, les mêmes organisations, les mêmes besoins. Donc il va falloir faire, non pas du prêt-à-porter, mais de la haute couture, de la dentelle fine dans les établissements et dans un Grand INSEP, qui n'est pas forcément fait pour ça. Il va falloir s'adapter à la demande de tel ou tel directeur technique national qui veut monter un type de projet très particulier. Quand Gérard Rougier était à Boulouris, il fabriquait les installations autour de l'athlète. Il avait donc pensé l'idée qu'il s'adaptait, lui, au PPF et pas l'inverse. Et c'est ça qui va être notre difficulté. Bien sûr que c'est un outil de collaboration allié au PPF. Bien sûr qu'il va falloir le vendre intelligemment et s'adapter à ces 40 schémas différents qui vont nous tomber sur la figure d'ici un an et qui sont, pour certains, même pas encore construits. C'est ça le challenge que nous avons à avoir ensemble. Jean-Luc Rouget, vous vouliez prolonger, puis ensuite Laurence Lefebvre. Allez-y, Jean-Luc. Oui. Simplement pour dire qu'un PPF donc, n'est pas suspendu en l'air. Le haut niveau, il vient de quelque part. Et on a besoin aussi d'avoir du recrutement. Et peut-être une des choses les plus importantes, pour être tout à fait pragmatique par rapport au Grand INSEP et donc à la régionalisation, je vois plutôt, moi, donc, le Grand INSEP ayant une mission générale en dehors des PPF, c'est celle de participer donc, au recrutement, à la détection et au perfectionnement. Mais pas au perfectionnement de l'élite, parce que celui-ci, il vient par le haut, il vient par les fédérations, et il y a un PPF qui est très organisé, en particulier bon, sur l'INSEP tout court, donc sur le centre numéro 1, donc chaque fédération en général en a un, et donc là, c'est très concentré, c'est très précis. Donc en ce qui concerne ensuite tous les pôles, donc l'organisation des pôles, là il y a quelque chose qui se fait en collaboration avec chacune des régions, parce qu'il faut aussi que chacune des régions puisse investir à moyen terme, au moins être sûr, avoir une sécurisation, sinon ils n'investiront pas dans un équipement, dans un CREPS ou des choses comme ça. Donc il faut qu'ils soient rassurés par rapport à une politique de fédération, et là sur ce niveau. Mais par contre, que tous les CREPS participent à l'alimentation du réseau, on en a vraiment besoin, parce que la pénalisation, bon, on a dit, oh, tiens, on va être cinquième, troisième, deuxième peut-être, mais si on n'a pas de recrutement à la base, on n'y arrivera pas.
même si aujourd'hui on a très haut niveau, aujourd'hui les fédérations, je vous dis, bon, comme les subventions générales donc sont difficiles à avoir, qu'est-ce qu'ont fait mes collègues des fédérations? Ils ont gardé pour les Jeux de Tokyo, j'y suis déjà, les Jeux de Rio, ils ont gardé tous les financements et le maximum pour préparer la dernière équipe, mais les juniors et tout ça, ils en ont mis un peu moins, ce qui fait qu'ils ont obéré l'avenir. Donc il faut en être conscient de ça. Et on a besoin de recrutement, on a besoin, je ne connais pas une source, moi, ou qui est, enfin une rivière qui ne s'est pas faite par des gouttelettes qui arrivent partout sur la montagne. Et c'est ça ce qu'il faut que tous les. Qu'on prenne conscience que tout ce grand INSEP avec bon, les structures annexes également, eh bien, en soit conscient. Ça, c'est une mission générale de tous. Dans une minute, nous serons en duplex avec quelqu'un qui nous attend et qui piaffe un peu d'impatience. Laurence Lefebvre, vous vouliez intervenir ? Rapidement, ouais. Ouais, très, très rapidement, pour vous dire que, pour rebondir sur ce que disait Philippe Bana, il faut vraiment mettre tous les acteurs en système de collaboration. Donc dès que j'aurai tous les noms de mes nouveaux DTN et qu'il n'y aura plus d'enjeux électoraux au niveau du CNO, donc le 15 mai, je réunis les trois réseaux, donc les directeurs de CREPS, les DTN et les DR, de façon à ce qu'on puisse nous organiser pour regarder comment le réseau Grand INSEP concrètement se met autour des PPF pour les mettre en place le mieux possible. Et bien évidemment, j'inviterai à cette journée l'ARF qui va être un acteur super important. Mais ça, je pense que ça sera beaucoup mieux qu'une note, comme disait Philippe, et je ne peux le faire que quand j'ai en face de moi les acteurs qui sont en responsabilité. Philippe, en un mot. Juste un mot sur cette question pour la clore. Que demande Jean-Luc quand il est responsable de grandes collectivités? Que demande un chef d'établissement? Que demande un président de fédération? Il va demander de la visibilité de l'ensemble des dispositifs. Les labels qui vont être décernés dans l'année qui vient sont essentiels pour le réacteur économique et sportif du sport français. Sans des labels clairs de l'ensemble des fédérations sportives, on ne va pas pouvoir créer d'économie à l'intérieur du Grand INSEP entre les fédérations et les acteurs. Et pour l'instant, pour ces labels-là, on est au stade zéro. Alors, je ne sais pas si ça s'est vu, mais on l'a un peu préparé, cette double journée, ces assises avec Gérard Rougier, Gianni Capaille, Jean-Luc Sadik, Gilles Durand, Camille Allengrain. On a beaucoup réfléchi et on s'est dit comment conclure cette journée, ces journées du Grand INSEP. Et je crois que c'est Gilles hein, qui a eu l'idée de dire, et pourquoi on n'en ait pas la parole, c'est Jean-Luc d'ailleurs, pourquoi on n'en ait pas la parole à un athlète issu du Grand INSEP. Nous sommes en ligne avec, et on est vraiment ravis de l'accueillir, Philippe Point, champion olympique, Pierre Ouin, pardon, champion olympique à Rio, en aviron, en deux de couple poids léger avec Jérémy Azou. Bonjour, Pierre, vous êtes avec nous, vous nous entendez bien? Ouais, très bien. Alors, tout le monde vous salue, la salle ici à l'INSEP vous salue. Vous êtes un enfant, vous êtes un bébé du Grand INSEP. Racontez-nous un peu votre parcours, Pierre. Alors, pour faire court, en fait, moi, je suis arrivé à Nancy pour mes études et pour le sport de haut niveau à l'âge de 18 ans, donc il y a 4 ans maintenant, en 2013. Et j'ai intégré le CREPS de Nancy, dans lequel j'étais interne dans un premier temps. En même temps, j'ai intégré le Pôle France Aviron de Nancy. Et donc, c'est deux structures qui sont hyper complémentaires. Et puis, ces quatre dernières années, on réussit justement à me mettre dans les meilleures conditions possibles au quotidien pour justement, moi qui étais, je reprends au terme, un bébé même à l'époque, m'ont mis dans de bonnes conditions pour justement devenir champion olympique dans un sport qui est normalement à maturité relativement tardive. Donc voilà, c'est vraiment pour un petit peu mettre le doigt et l'accent sur justement l'efficacité de cette double structure qui a été mise en place et mise à ma disposition. Avec vos partenaires, vos collègues, vous parlez souvent du Grand INSEP et des structures qui sont mises en place et qui vous sont proposées? Oui, absolument, on en parle, on essaie de savoir comment les faire évoluer. On se demande aussi mutuellement qui se sert de quoi, parce qu'il y a une multitude de services qui sont mis à notre disposition aussi. Je vais demander tout simplement, parce que je ne suis pas là moi pour poser des questions, si quelqu'un dans la salle ou sur la scène veut vous poser une question, veut vous interpeller, c'est vraiment le moment ou jamais, hein, c'est la fin de ces débats. Peut-être si personne ne se manifeste dans la salle, Jean-Pierre de Vincenzi, pour essayer aussi de conclure, puisqu'il va bien falloir conclure. Avoir devant nous un champion olympique, Pierre Ouin, issu du Grand INSEP, il nous a raconté son parcours, c'est peut-être la plus belle des symboliques, Jean-Pierre.
Oui, j'ai une question à lui poser. Bien sûr, allez-y. Comme le Grand INSEP, ça fonctionne bien, est-ce que tu es déjà sur la stratégie de Tokyo? Est-ce que tu es déjà en préparation et comment ça se passe à ce niveau-là? Alors oui, déjà en préparation, enfin, en tout cas j'y pense dans un coin de ma tête, c'est sûr. Après, ça peut paraître enfin, paradoxal, mais j'y pense sans y penser, quoi, parce que c'est vrai que bah, je pratique un sport qui est ingrat, rien n'est jamais acquis, quoi. On a beau être talentueux, enfin, ça suffit pas, quoi. Donc en fait, tout simplement, je prends les années les unes après les autres, et oui, donc pour répondre à votre question, on est déjà reparti sur le premier objectif intermédiaire. Depuis qu'on a atterri de Rio, d'ailleurs, on a repris l'entraînement et on est plongé sur le prochain objectif qui est pour nous les championnats du monde. Il y en a chaque année. Et c'est ces championnats du monde-là qui vont nous permettre justement d'avancer pas à pas vers les prochains Jeux olympiques de Tokyo, auxquels évidemment je pense très fortement et je pense même à ceux d'après d'ailleurs. Mais voilà, j'essaie vraiment de prendre étape par étape. Ceux d'après, c'est Paris 2024. Oui, bien sûr. Et tu as l'intention de rester donc à Nancy combien de temps encore? Pour moi, les 4 ans qui viennent ou... Ouais, en fait, au moins les 8 ans qui viennent, même je dirais, c'est-à-dire que je suis tellement bien en fait sur cette structure-là que je me suis donné comme priorité justement de ne pas me déplacer parce que j'ai trouvé entre guillemets la recette et l'ambiance, le contexte qui me correspond et qui me fait être performant. Donc voilà, je me suis dit que tant que je serai dans ma carrière, voilà, je resterai sur Nancy pour justement bénéficier de ce cadre qui me réussit vraiment, vraiment très bien. Bon, comme c'est pas moi le journaliste et l'animateur, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Merci. Pierre. Merci. Restez en ligne, Pierre. Il y a encore une question. Elle vient de Gérard Rougier, le directeur de la direction du Grand INSEP. Oui, Pierre, bonjour. Juste une question depuis, puisque Philippe Bana, tu n'étais pas au début du débat, enfin, je ne sais pas si tu as suivi, mais on a parlé du label Grand INSEP, qui est en fait une marque de qualité, mais aussi une montée des prestations en gamme pour accompagner les sportifs, puisque c'est avant tout dédié pour eux. Est-ce que tu as vu, toi, des évolutions depuis qu'on a labellisé le Krebs de Nancy et puis là, dans ta préparation à venir? Maintenant que tu es médaillé et puis que tu prépares une nouvelle Olympiade, est-ce que tu vas aller sur d'autres centres pour t'entraîner avec ta fédération? Alors du coup, donc pour répondre à votre première question sur le Krebs de Nancy, enfin, j'ai pas maintenant je suis externe, hein, donc je bénéficie vraiment des services de manière ponctuelle, donc je n'y vais plus. Mais depuis qu'il a été labellisé. Moi, personnellement, je vois pas de différence dans le sens où bah, il a mérité son label et tout était déjà entre guillemets bien. Et donc, je veux dire, j'ai pas remarqué. Après, c'est peut-être joué au détail, hein, certainement pour les internes. Mais voilà, les fonctions que j'utilise de cette structure-là sont toujours les mêmes, sont toujours en place et bon, c'est vraiment tout ce que je demande. Et c'était quoi la suite de votre question, pardon? La question, c'était de dire si tu allais dans ton entraînement, je Ah, pense que tu bouges et est-ce que ça t'arrive d'aller dans d'autres centres du Grand INSEP, Toulouse par exemple ou ailleurs? oui, alors il nous arrive d'aller dans d'autres Krebs. Après, pas énormément. C'est-à-dire que nous, après, on s'isole un petit peu, on a nos bases un petit peu à droite, à gauche. Donc c'est vraiment plus au quotidien que je fréquente une structure du Grand INSEP, donc celle de Nancy. Mais sinon, il nous arrive de passer notamment sur un autre Krebs qui se situe à Mâcon, par exemple. Mais non, sinon, on ne voyage pas énormément sur les différentes structures du Grand INSEP. Pierre, on va vous remercier, on va vous applaudir aussi, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été en Merci. duplex avec nous. Champion olympique en aviron, deux de coupe poids léger avec Jérémy Azou. C'était le 12 août dernier à Rio. Merci et bonne fin d'après-midi Exactement. à Nancy. Ces Merci. premières assises, merci à vous, ces premières assises du Grand INSEP se terminent maintenant. Un mot à Jean-Pierre de Vincenzi qui a eu la gentillesse de nous accueillir depuis hier, qui a assisté à une grande partie de nos débats. On a parlé de pérennisation, on a parlé de suite, on a parlé de perspective, peut-être pas autant qu'on l'aurait souhaité. J'avais envie de vous poser la question. Le Grand INSEP est né, bien né, et il n'y a aucune raison que ça ne continue pas ainsi. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut conclure? À travers la question, je sens poindre une crainte que nous avons tous dans le sport de haut Un petit niveau, peu, dans le sport toujours. français. C'est ce qu'a dit d'ailleurs à un moment donné, je reviens sur Claude Fauquet, parce qu'il a ratissé large. Il a dit à un moment donné, déconstruire pour construire. Moi, je sais, je l'ai dit aussi à l'introduction, défaire et refaire, c'est toujours faire. Bon. C'est vrai qu'on a tous la crainte de voir les choses avancer, évoluer, et puis à un moment donné, paf, on défait et on repart à zéro ou on repart dans C'est une autre peut-être qu'on a direction. été échaudé par le passé. Oui, bien sûr, c'est pour cela, oui, c'est pour cela. Et la question, c'est de savoir comment arriver à pérenniser les choses, à les caler,
clairement, c'est l'histoire de la roue de Deming. Bon, si certains veulent savoir, je leur expliquerai après. Mais mettre la cale pour pas qu'on reparte de zéro à zéro chaque fois et arriver à faire évoluer pour autant les choses. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut peut-être casser certaines choses, garder les fondements et puis partir sur une voie évolutive, mais qui ne remet pas tout en cause. Donc la pérennisation, c'est important. Je pense que c'est important pour les résultats. J'ai posé une question tout à l'heure à notre médaillé d'or pour savoir où il en était de sa préparation, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les Canadiens, les Anglais, ça fait déjà un an qu'ils travaillent sur Tokyo. Un an, c'est-à-dire qu'au début de l'année 2016, les Canadiens et les Anglais étaient déjà sur la préparation de l'Olympiade suivante, et alors que nous ne sommes pas encore dans l'Olympiade qui a fait à peine, on entre à peine dans l'Olympiade de 2020. Oui. Mais non, mais sur la détection, c'est vrai, ça fait 8 ans déjà. Mais bon, non, mais je veux dire par là que les instances, s'y sont mises à l'étranger, s'y sont mises depuis déjà un an. Donc il faut qu'on arrive à trouver des structures, mettre en place des structures et des modes de fonctionnement qui assurent une pérennité, une réelle pérennité. Voilà. Et puisque tu m'as donné la parole pour finir, je voulais juste te remercier pour tes brillantes interventions pendant 2 jours, parce que ça a vraiment facilité les débats, ça a permis d'abord de poser, de rebondir sur les bonnes questions et de créer une véritable fluidité. Voilà. Merci à tous. Ainsi s'achèvent ces premières assises du Grand INSEP, en espérant qu'il y en ait d'autres, bien évidemment, dès l'an prochain. Merci de votre attention et bon retour à ceux qui rentrent dans leurs crêpes.